Pourquoi est-ce qu'elle fait la fille désintéressée? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction et dans cette vidéo, on va voir pourquoi tout à coup elle se met à faire la fille désintéressée. C'est une question que se posent beaucoup d'hommes. Genre, parfois, des fois, ils draguent une meuf, elle répond au texto, etc. Et tout à coup, elle répond plus. Tout, avant, elle disait « Ouais, on va se voir, t'inquiète, machin. » Puis tout à coup, quand il propose de se voir, elle dit « Non, non, je suis pas dispo, c'est pas possible, etc. » Pourquoi tout à coup, la fille joue la meuf désintéressée? Première raison, elle a peut-être trop regardé les chaînes de Brenda, d'Alexandre, etc. ou ses copines. On lui a dit qu'il fallait ne pas être acquise. Alors, ne pas être acquise, ça vient du fait qu'il y a des mecs qui traitent mal les meufs. Par exemple, la meuf, elle est à fond sur eux. Eux, ils l'aiment bien, mais voilà, ils se permettent des choses qu'ils ne devraient pas se permettre. Par exemple, ils lui disent « on se verra samedi soir ». Le samedi soir, il dit « ah non, désolé, je travaille tard ». Alors elle dit tu viens demain matin, il dit ok, et puis le mec il fait la grasse matinée, il dort pas, et puis à 14h il est pas venu le matin alors qu'il t'a dit qu'il venait, puis à 14h il envoie un message à la fille, il lui dit coucou bébé, ça va, comme si de rien n'était, tu vois. Alors qu'un mec bien élevé, il va te dire désolé, je me suis pas réveillé ce matin, est-ce que tu veux toujours qu'on se voit aujourd'hui? Là, le mec fait semblant de rien, il vient pas deux fois alors qu'il a dit qu'il venait, voilà. Et ça vient de ce genre de comportement de mec qui est, on va dire, au minimum mal élevé, que les meufs agissent en mode « il faut absolument que je paraisse pas acquise ». Donc, pour moi, quand le mec est acquis et que la fille est acquise et que tout le monde est acquis à l'autre, ça marche bien. Le problème vient du fait qu'il y a des comportements qui sont mal élevés, qui sont… voilà. Et donc, beaucoup de coachs donnent des conseils à des meufs en souffrance en leur disant « il ne faut pas être acquise ». Et du coup, les meufs, elles sont maintenant en mode prévention. Elles le mettent à toutes les sauces. Tu viens de lui parler, je ne veux pas être acquise. Vous êtes allé à deux dates ensemble, je ne veux pas être acquise. Tu vois, c'est à toutes les sauces, à toutes les sauces. Il n'y a qu'à voir que ces vidéos font des millions de vues. Alors que ben, ne pas être acquise, c'est bien dans un certain contexte. Dans un contexte où la relation pourrait marcher bien et où le mec est respectueux, ça n'a rien à faire là. Donc, c'est vraiment, voilà. Pourquoi elle fait la fille désintéressée? On lui a dit qu'il fallait faire ça pour que vous la respectiez, pour que… voilà. Donc, ça peut venir de là. En deux, elle peut vous tester. Elle fait la fille désintéressée pour tester votre intérêt, votre persévérance, tout ça. En trois, elle se ment à elle-même. Par exemple, elle fait la fille désintéressée parce que d'habitude, elle est attirée par des blagues. Vous êtes un petit blanc. Ah là là, elle a honte, tu vois, de son attirance, ou elle assume pas, ou c'est pas ce qu'elle fait d'habitude, ou voilà, ou elle a peur, ou voilà. Je veux dire, des fois, il y a des meufs, elles sont intéressées, elles se chauffent, elles se disent, je vais coucher avec toi. Et puis, au moment de coucher, elles font, ah non, mais je t'ai jamais rien promis, c'est mauvaise foi extrême, je t'ai jamais rien dit. Nanana, parce qu'en fait, elles fantasment de coucher avec toi, mais au moment de le faire, eh ben, elles ont peur, voilà, la boule au ventre, et du coup, tout à coup, elles font genre. Tu sais, c'est plus facile de faire genre que sont désintéressées que d'assumer jusqu'au bout, quoi. Pourquoi est-ce qu'elle fait la fille désintéressée? Peut-être que vous l'avez délaissée, comme j'ai dit au début, et qu'elle veut vous recadrer voilà, en mode rapport de force. Pourquoi est-ce qu'elle fait la fille désintéressée? Peut-être qu'elle a perdu son attirance pour vous. Peut-être qu'elle est vraiment devenue désintéressée. C'est-à-dire que peut-être que sur un réseau social, vous avez publié une connerie qui lui a fait perdre son attirance. Peut-être que votre réputation est mauvaise et qu'on lui a parlé de vous en mal. Peut-être que vous avez dit ou fait une connerie par texto ou en face, ou peut-être que vous n'en êtes même pas aperçu. Vous avez dit ou fait une connerie, vous avez heurté sa sensibilité, ses opinions profondes, ses valeurs hautes, j'en sais rien. Sinon, pourquoi est-ce que tout à coup, elle peut faire la fille désintéressée? Bah, peut-être qu'un autre gars vous a doublé, ou son ex est revenu, ou voilà, elle était sur plusieurs tableaux en même temps, et il y a un autre mec qui l'a pécho, qui a couché avec elle, et donc du coup, elle se dit, je ne vais quand même pas me faire deux gars dans la semaine, donc lui, je vais lui dire, non, mais moi, j'ai jamais été intéressé, c'est pas vrai, tu vois. Non, mais des fois, elles sont un petit peu de mauvaise foi aussi. Après, elles peuvent perdre leur attirance légitimement. Elles peuvent paniquer, avoir peur, même si elles ont envie au fond, et confondre ça avec du désintérêt. Et puis après, des fois, c'est de la mauvaise foi totale, tu vois ce que j'ai envie de te dire. Alors, comment réagir quand elle est désintéressée? Tu peux essayer de comprendre pourquoi elle est désintéressée. Par exemple, si tu as dit ou fait une connerie, bah, tu éclaircis. Des fois, c'est un malentendu, tu éclaircis la situation. Si elle panique, elle a peur, bah, tu vas mettre un peu plus de confort, tu vas la mettre un peu plus à l'aise, un peu plus en confiance.
Et si c'est de la mauvaise foi totale, soit tu nexes la fille, tu passes à la suivante, soit tu la recadres. Un recadrage, en disant non mais attends, là c'est de la mauvaise foi, écoute, tu vois, voilà. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter, si il reste des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Souvent le recadrage, ça passe ou ça casse. Hein. N'hésitez pas à mettre un commentaire si il y a des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, mais sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre des gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Téléchargez vos guides offerts. Comment draguer sans passer pour un relou, comment mettre une fille dans votre vie 17 jours, etc. Tout est dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.